casa casé. Seigneur, je te donne. Dieu, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Car ton nom est très saint. Hallelujah. Good? Yes, come. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Wow. You may be seated in God's presence. Wow. Faire comme tu crois, débarrasse-toi de tout ce qui
ce monde et prétendre aimer l'église de Christ. True it is it, true pretend. I know you are not a fool. Aime l'église, n'aie pas honte de Jésus Christ. Ne deviens pas ce fou qui se dit sage. So I'm always gonna dance again. Le faisons par amour. Travailler pour lui
et faire grandir son église. Le monde court à sa perte, personne ne cherche Dieu, mais Jésus mourut pour nous tous. Oui, plusieurs sont égarés, ne connaissant pas le Christ, qui leur parlera de lui. Je prie chaque fois que je m'agenouille près de mon lit. Je demande à Christ de m'aider pour répondre à son appel, yeah, et m'engager pour sa famille. Je dois aimer l'église de Dieu. Je dois bâtir l'église de Dieu. Faire de l'église ma raison de vivre en église. Vous devez être un chrétien réussi.
ferez rien de grand. Car il vous faut avoir l'onction pour bâtir la grande église, pour prêcher et coacher avec amour et gagner plus de personnes. Si tu te laisses chaque jour influencer par l'onction, tu seras puissant, capable de faire pour la grande église. Oh, oui, je crois que j'ai reçu l'onction de travailler pour l'église de Dieu. Faire de ma vie un sacrifice vivant. This was the Pastor Linda. Wow. Wow. Beautiful. Veuillez vous asseoir. Magnifique. Wonderful. Nous sommes à notre deuxième, troisième jour.
We are at the third day. Bon, on est rentré le vendredi, le mardi, n'est-ce pas? We entered on yeah, on a donc, Tuesday. On a donc vraiment commencé hier. So we have really started yesterday. Yeah, yeah. On a vraiment commencé hier. We truly started yesterday. Quelles sont les personnes qui sont venues au camp pour la première fois? Who are the person who came at the camp for the first wow, time? On acclame le Seigneur, acclamons le Seigneur. Wow. Non, attends, on va reprendre. Yeah. Il y a des gens qui ont cru que j'ai dit qu'ils sont venus à Libreville. There are people who thought that I said that they came to Libreville. Non, yeah. J'ai pas dit Libreville. I did not say Libreville. Je dis les personnes qui sont venues au camp, parce que le camp là, c'est pas la première fois. C'est un camp qui se répète chaque année. So this is not the first time that we have a camp. We have this each year. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'anglais quand ils parlent l'anglais? Aussi, il y a des gens qui aiment l'anglais. Are there people who love English when he's speaking in English? Wow! Wow! Il faut devenir chrétien, les enfants. You have to become a Christian. It's important. Yes, yes. Lui aussi, il est venu au camp comme ça un jour. Lui aussi, il est venu au camp. He came at the camp like you for the first time one day. Yes. Yeah. Yeah. Oui, Vela, c'est un peu comme une rivière. Vela is just like a river. Oui, quand vous avez la rivière au village. When you have the river at the village. Bon, il y a même des quartiers ici où il y a la rivière. There are districts here where. C'est ça ou c'est pas ça? It's, yeah, it's right or wrong. Yeah, il y a des quartiers ici où on se lève à la rivière. C'est ça, non? Yeah. There are districts where there are rivers here. Mais la rivière c'est bien. River is good. Qui s'est déjà lavé à la rivière? Who got bathed at the river? Quand tu t'es pas encore lavé à la rivière, tu as raté une expérience. When you did not bath at the river, you missed an experience. Non, la rivière c'est. Yeah. Qui a déjà plongé dans les rivières, plongé. Who already dived in the river. Wow. Wow. C'est une belle expérience. It's a beautiful experience. J'ai oublié, je n'avais pas fait attention que mes enfants n'ont jamais plongé dans une rivière. I forgot, my children never dive into the river. Les enfants modernes, ils plongent dans les piscines. Today, the children of today, they dive into the river. Il faut aller à la rivière. You have to go to the river. Vous avez des rivières quelque part, des belles rivières ici? Dans vos quartiers, vous avez des rivières? Do you have a river in your district? Qui a une belle rivière dans son quartier, vraiment bien quoi? Who has a beautiful river in his neighborhood? Hein? Qui a ça? Who has it? Dans son quartier, vraiment une bonne rivière. Good river. Un peu comme des cailloux d'abord au début là, bien après tu descends bien comme ça. Vous n'avez pas ça? Il y a pas de stones. Who has a good river in his neighborhood? Quel quartier? À Martel? Ah bon? Il y a une belle rivière là-bas? Wow! There's a beautiful river at Martel. Qui encore? Une rivière? Who else? Chabonnage? Ah bon? Ça c'est Chabonnage. Où? Au Chabonnage? Je croyais que c'était développé là-bas. Chabonnage. Chut! Où? Bikele? Oh! Ah bon? Une rivière? There's a river at Bikele also. Wow! Un bras de mer, là-bas c'est le bras de mer, n'est-ce pas? Yeah. C'est un peu différent, mais ça peut se ressembler un peu. Mais oui, oui. It's a bit like... Oui. Antoum, ah bon? Wow. River Antoum. Rivière. River. Wow. Wow. Pourquoi j'ai même parlé de la rivière? Why was I talking about the river? Oui, je disais que Vela est comme une rivière. We're saying that Vela is like a river. Voyez quand. Bon, je pouvais parler de la rivière au lieu des fleuves. Les fleuves sont quand même dangereux. I don't want to talk about the sea. Yeah, les fleuves sont quand même. I don't want to talk about the sea. I want to talk about. Ouais, quand vous allez à la rivière. No, when you go to the river. Plusieurs personnes peuvent se laver à la rivière. Many people can bath into the river. L'eau passe. The water is flowing. N'est-ce pas? Isn't it? L'eau est toujours renouvelée. The water is still renewing. Yeah, la rivière peut laver 1000 personnes. The river can wash 1000 persons. Ce n'est pas que quand tu t'es lavé à la rivière et puis après quand les autres arrivent, ils ne peuvent plus se laver. It's not that when you bath into the river when the other one comes. Même s'ils ont bougé le sol et que la rivière s'est salie quelques minutes après. Even they touch the floor. Ça se tasse à nouveau, n'est-ce pas? Et puis on peut. Donc la rivière est puissante. So the la rivière river, est puissante. The river is powerful. Elle peut nettoyer plusieurs personnes. It can bath many people, several yes. people. C'est la même chose avec le VLR. Dans le VLR, in VLR,
Si tu es intelligent, tu vas trouver ta place. If you're intelligent, you will find your place. Et tu seras une bénédiction pour les gens. You shall be a blessing for people. Il faut seulement être intelligent. Just be intelligent. Vrai et intelligent. True and intelligent. Il faut être vrai et intelligent. Be true and intelligent. Et puis enfin, il faut être constant. Vrai, intelligent, constant. Be true, intelligent and constant. Yes. Yes. Vrai, intelligent, constant. True, intelligent, constant. Tout le monde peut se laver à la rivière. Everyone can bath into the river. Et la rivière te nettoie aussi bien qu'elle a nettoyé l'autre. And the river washes you as it washes the other one. C'est ça ou c'est pas ça? Is it right or wrong? Non, pas la rivière, c'est ça. That's it. Yes. Faut croire à l'onction de la rivière. Believe into the anointing of the river. What a shock. Yes, VLR, c'est une rivière. VLR is a river. Yeah. Wow. Wow. C'est fort. Strong. Yeah. Il est où? Il y a un frère là, le frère, celui à qui j'ai donné le sceau le premier là. Comment il s'appelle? The brother to whom I've given the seal the first. Tu t'appelles comment le prénom encore? What's your name again? Gautran. Go. Hein? Go. Wow. Gautran. Go, c'est go. Wow. Wow. J'ai ce matin. Mais tu es parti où, mon petit? Viens. Come. J'ai trouvé ta femme. J'ai trouvé ta femme. Wow. Find your wife. J'ai trouvé ta femme. Wow. Yeah. What a shock. Yeah. Woo. Non, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier. I was praying. Je dis que dans la rivière, tout le monde peut trouver son truc, mon petit. In the river, everyone can have a bath. Yeah, yeah. J'étais en train de prier. I was praying. Wow. 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 Regarde, le plus terrible, mon petit, c'est que elle t'attend déjà à Lomé. The most terrible is that she's awaiting for you in Lomé. Wow. C'est-à-dire, je suis allé pour le rada à Lomé. I went for the rada to Lomé. Et je sais pas pourquoi, pendant que j'étais en train de prêcher. And I don't know why when I was preaching. Après, j'ai dit à la chante. And I said to the singer. Toi, you, tu ne quittes pas Lomé. You don't leave Lomé. Elle est gabonaise. She's Gabonese. Tu ne quittes pas Lomé. Say you don't leave. Elle a fini ses études. She finished her studies. Tu ne rentres pas. Toi, tu m'attends à Lomé. Tu m'attends. You don't come back. You wait in Lomé. Je ne sais pas encore pourquoi. I didn't know why. Mais tu ne te déplaces pas. Tu viens pas. Ça compris ma fille. You don't move. Don't move. Just stay there. Je lui ai dit, je suis pas sûr que tu vas rentrer au Gabon. Peut-être que tu vas danser ici. Mais je savais pas pourquoi je disais ça. Je savais pas. I didn't know why I told her that you won't come back in the country. You stay there. C'est ce matin que l'esprit m'a dit, mais tu as demandé à quelqu'un d'attendre à Lomé, non? Yes. This morning that the spirit told me that you sent someone to wait in Lomé. Yeah, je savais pas. I didn't know. Tu as compris? Que Dieu te bénisse, jeune homme. God bless you, young man. Wow. C'est une jeune sœur merveilleuse. It's a wonderful young sister. Quand je l'ai vue diriger le chant, j'ai dit que elle c'est la femme d'un serviteur de Dieu. I saw her leading this worship. I said you're the. Mais je savais pas qui. I didn't know c'est who. Ce matin seulement. Only this morning. C'est une rivière. It's a river. Tout le monde peut trouver son truc à l'intérieur. Everyone can find his knack inside. Il faut être quoi? Just be vrai, true, intelligent, smart, et constant. And constant. Yes. Ça c'est le secret. Oh. That is the secret. Oh. Yes. Yeah. Faut pas faire semblant. Il faut être vrai. Be true. Vrai. True. Pas faire semblant. Don't pretend. Yeah, si tu fais semblant, tu vas te retrouver en train d'échouer. If you pretend, you will be failing. Vrai. True. Intelligent. Smart. Constant. And constant. Yes. Yeah. Yes. Wow. Wow. Est-ce que quand tu es venu au camp, tu savais que tu devais aller à Lomé et que ta femme était là-bas? When you came to the camp, là, did you know? Comme ça, oh.
Life is like that. C'est pourquoi on dit aux gens de venir au camp. That is why we tell people to c'est come. Ce qu'on vous reproche. C'est ce qu'on vous reproche. That is what we repute to you. Il va venir au camp. You must come to the camp. Yeah. Les camps ne se ressemblent jamais. The camps jamais. Are never the same. Yes. Quand il est venu au camp passé, il ne savait pas qu'au prochain camp. Yes. When he came n'est-ce to pas, the non? last camp, he didn't know il that. Il savait pas. He didn't know. Il faut pas suivre. Don't c'est pourquoi follow. Il faut être constant. Therefore, be constant. Faut laisse les choses là. Yeah, leave faut those pas suivre. Don't follow that. Faut seulement être constant. Tu vas just voir. Just be constant. Faut seulement être constant. Just be constant. Des fois, tu es seulement testé pour voir si tu es constant. Sometimes we just test you just to see yes. if you're constant. Yes. Des fois, ton vrai problème, c'est la constance. Sometimes your true problem is constance. Et quand on dit constant, dans les 3, 4 niveaux, 5 niveaux. Hein? When we are constant, there are 4 or 5 levels. Par exemple, la constance de la foi. For example, constance of faith. Yes. C'est-à-dire, tu crois toujours à l'intérieur. Même s'il n'y a rien qui montre que toi aussi, tu crois toujours à l'intérieur que yes. Dieu va le faire pour toi. Meaning that you still believe that God will do something for you. La constance intérieure. It's inside constance. You still believe that yes. God will do something for you. Yeah. Yeah. J'ai fait 2 ans. 2 ans. Amenez-moi la chaise à côté. Ma chaise à côté. Bring me oh, my yeah. chairs, please. I made 2 years. J'avais une chaise juste à côté de mon lit. I had a chair just beside my bed. Avant de répondre à l'appel. Before answering the call. Avant de faire mon voyage sur Port-Gentil où j'ai entendu la voix de Dieu. Before traveling to Port-Gentil where I heard the voice of God. Et donc je descends de mon lit. I said that I would come down yes. on my bed. Je m'assois. And then yes. I sit down. J'ai raconté ça déjà, non? I already tell je you m'assois that story. Comme ça. I sit down like this. Et puis je dis à Dieu. And then I said to God. Donne-moi l'occasion de te servir. Give me the opportunity to serve you. Juste l'opportunité. Just the opportunity. Amen. Amen. Et puis je veux. Deux ans. Chaque matin sans rater une seule fois. Wow. Missing only one day. Deux ans. 2 years. Chaque matin sans rater une seule fois. Each morning without missing one dès day. Dès que je me lève. When I wake up. Donne-moi l'occasion de te servir. Juste l'opportunité. Give me the opportunity to serve you. Just the opportunity. Constance intérieure. Inside constance. Yeah. Yes. Parce que tu peux être constant physiquement là, mais à l'intérieur tu doutes. Tu te dis Seigneur, tu m'as abandonné. Est-ce que vraiment, au fond, à l'intérieur tu n'es pas constant. Because you can be standing there and without being yes. constant inside. C'est pourquoi le découragement passe. Therefore, discouragement is happening. La peur, fear, l'inquiétude, worries. Tu peux être physiquement là, mais ton cœur tu n'es pas constant. You can physically be there, but tu doutes maintenant de ce que Dieu t'a même déjà montré. You even doubt about what God showed you. Donc la constance, elle est d'abord intérieure. So constant is firstly inside. La constance de la foi. Faith constance. La Bible dit, Abraham n'a point douté. The Bible says that Abraham did not doubt it. Yes. Yeah. Vous savez que la foi, non? La foi est une. You know that faith is a firm assurance. Une assurance solide. A solid assurance. Quand on parle de foi. On parle de ciment. When we talk about faith, we're talking about cement. La foi est une assurance cimentée. Faith is a cemented assurance. Donc la foi c'est pas le petit courage qui vient qui part. Non. Faith is not small courage that comes and goes. Yes. La foi on peut passer par des problèmes, par des difficultés, même si on pleure, mais on croit toujours. Faith, we can grow through difficulties. Even though we cry, we still live. Yes. Donc après yeah. la constance intérieure, after inside constance, il y a la constance physique. Then we have physical constance. Yes. Le fait d'être là, physiquement. The fact of always dans being les choses there, de Dieu. In the knacks of God. Yes. La constance physique. Physical constance. Ensuite, il y a la constance par l'action. And then there's constance by action. Par exemple. Diriger les réunions. For example, always leading faire des familles de croissance. Having growth families. Vous savez que deux fois on fait ces choses-là. You know that sometimes we do those things. On se sent très mal. We feel very bad. Mais quand on prêche, là, vous pouvez croire qu'on est bien. But when we preach, you can alors, think that we're good. Alors que certains d'entre vous, vous vous demandez même qu'on vous déprogramme. Dites, regarde, là, vraiment,
Ça dit moralement quoi? Je ne me sens pas bien. Some of you, you don't want to be programmed. C'est ce que vous faites. That's what you do. C'est ce que vous faites. That's what you do. Alors que même les païens ne font pas ça. That even the unbelievers don't les do that. Les païens n'appellent pas au travail et puis disent au directeur de l'entreprise que oui, allô chef, oui. Là, moralement, je suis pas bon. Je viens pas au travail. The heathen doesn't call his manager to say today I don't feel well, I won't come to work. Peut-être les fonctionnaires gabonais, mais pas au privé. Maybe the Gabonese, but on not fait pas the, ça the au privé. Private. À BGF, tu appelles au directeur, tu dis chef, bonsoir, oui. Bonjour, il a moralement, c'est pas bon. In BGF, EI, you cannot call your manager. Et puis, il te dit moralement, ça veut dire quoi? Tu voulais être malade? Tu dis non, je suis pas malade, je suis en très bonne santé, mais au niveau de la tête là, mes pensées. Mais il va te dire, mais je m'en fous de tes pensées. Yes. If you call your manager, he said, I don't care about your thoughts. Et, mais vous faites ça dans l'église. Dans but l'église, you vous do it in the church. You do it in a church. Vous vous déprogrammez pour une raison émotionnelle. For an emotional reason, you disprogram c'est yourself. C'est vrai ou c'est pas vrai? It's true. Vous faites ça dans l'église. Même les pasteurs, même les anciens, vous faites ça dans l'église. Even pastor, elders, you do it in the church. Yes. Non, là, est-ce qu'on peut me changer? He said, can I be changed? Est-ce qu'on peut me changer? Can I be replaced, please? Ça dit que là, voilà. Je comprends. Voilà, oui. Can I be replaced? Yeah, ouais. Vous voyez comment ça se passe? Do you see how it works? Donc si nous on faisait ça, ça devait être grave, hein? If we would do that, it would be very bad. Yes. La Bible dit en toute occasion, favorable ou non. Yes. The Bible says in every occasion, good or not. Donc il y a la constance dans l'action, so there's dans le service. Constance in action. La conscience service. De l'action. La conscience, la constance du service. Constance in service. Tu te sens bien ou pas, tu sers Dieu. You feel Amen. Good or not, you serve the Lord. Tu as le moral bas ou haut, tu as famille de croissance you ce soir. You have a bad or high moral, you je have sais pas si vous suivez. It. Yes. Non, il faut pas, il faut. C'est seulement en Afrique francophone, hein, chez des Gabonais, des trucs comme ça, qu'on trouve les choses comme ça, où la personne est là, dit non. Vraiment, je sais pas, est-ce que c'est moi qui devais diriger aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut pas me changer? It's only in Africa where we see that people are just walking like that and wondering if they can be this. Oui, on peut te changer, mais à vie. Yes. Yes, we can change you, but forever. On te change à vie. We change you forever. Va éternellement te reposer. Go. Va éternellement te reposer. Go and rest eternally. Ne reviens plus. Don't come back anymore. Yes. Yeah. 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 Est-ce qu'on ne va pas à l'école parce qu'il pleut? Do we don't go to school because there's rain? Est-ce qu'on ne va pas au travail parce qu'il pleut? Don't we go to work because there's a rain? Même le climat varie. Even climate is changing. Tout varie. Climate variates. Pourquoi les gens sont comme ça? Why people are like that? Quand tu n'aimes pas vraiment, tu n'aimes pas vraiment. When you don't really like, you don't really c'est like. C'est pas bon. It's not good. Constant. Constant. Dieu. God. Donne-moi l'occasion de te servir. Give me the opportunity to serve you. Il m'a donné l'occasion, non? He gave me the opportunity. Yes, yes, non, yes. Je ne mentais pas. I was not lying. Je ne mentais pas. I was not lying. Je ne mentais pas. I was not lying. Deux ans. Deux two ans. Years. Two years. Chaque jour que Dieu faisait. Each constance. Day, I was constant. Wow. Wow. Alléluia. Amen. Donc il faut être constant. Voilà, le gars il a trouvé sa femme. So you have to be constant. The guy find his wife. Le kit complet. N'est-ce pas? Yes. Yeah. Magnifique. Wonderful. Wow. Wow. Ce sont des bonnes choses, oui ou non? These are good things, choses. Yes or très no? Très bonnes choses. Demain il va avoir un entretien. Tomorrow you have an interview. Test. À partir de demain, on va modifier un peu le programme. Je risque de commencer plus tôt demain. Tomorrow I will start a little bit earlier. We will modify. Et demain, il va à partir de 13h, on va avoir un entretien test. Certaines personnes d'entre vous vont passer par un test. Some voyez, un peu comme un peu comme on fait les oraux, un peu hein, la deuxième partie là. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Yeah. Tomorrow at 1 p.m. Les, there will be les Français, tested. Ils ont comment ils appellent ça? Comment on fait la séance là, la grande séance oratoire, comment ça se passe? Le grand oral, vous n'entendez pas ça? Have you heard about that? Le grand oral, les professeurs sont comme ça assis, et puis toi tu viens, tu parles, personne ne parle, tu parles. Pas le cours de l'éloquence, c'est quoi? L'oratoire. Le grand oratoire, c'est ça. Tu parles. You just talk. Après tu pars. And then you go. Fini.
Tu ne sais pas, personne ne répond. No one answers, we just look at you. Après tu pars. Then you go. On te note seulement. Yeah, and then they note you. Donc c'est un peu ça. Il y a des pasteurs qui arrivent demain, seront pleins là. So there are pasters there. Ils prennent seulement un bic et puis une feuille te regarde. They just take a piece of paper and then they look at you. Pendant une heure. For 1 hour. Yes. Une heure. Ils te disent rien, ils te regardent. They say nothing, they just look at you. Après une note. And then they note. Après tu dis c'est bon. And then he says it's good, okay. What a shock. Donc ils seront là demain à 13h. So 11h déjà ils seront là. They will be here tomorrow at 11 a.m. Wow. Wow. Donc dès qu'on on va vous donner, on va citer vous communiquer les personnes qui vont passer déjà à ce test. So we will just give you the names of the people who will go through this test. Donc il faut essayer de bien laver le visage demain parce que c'est pas ce qu'ils vont regarder quoi. So tomorrow try to wash your face very well. We don't know what they will look at. Vous êtes d'avoir une tête normale. Try to have a normal head. Yeah. Wow, quand je suis une fois il y a quelques années, quand je suis allé faire demander mon premier visa pour les États-Unis. Years ago when I went to ask my first visa to United States. C'était la première fois que j'allais aux États-Unis. It was the first time for me to go to the US. Puis je suis passé par une agence. I went through an agency. À la fin, après avoir fait tout le protocole, at the end, after doing all the protocol, la dame qui se chargeait de cela m'a dit, bon, mais écoutez, vous savez que malgré tout ce que vous pouvez faire, à la fin, ce sont eux qui ont la dernière décision. She's told me that no matter what you can do, at the end, they have the decision. J'ai dit, okay, mais quels sont les derniers conseils que vous pouvez me donner? I said, what are the last advices you could give? Vous savez, quand me? Vous entrez dans l'ambassade des États-Unis, vous laissez tout dehors. You know, when you get into the embassy, U.S. embassy, you leave everything outside. C'est comme à l'aéroport, comme quand tu rentres à l'aéroport et puis tu enlèves toutes les chaussures, les ceci, tout. It's when like you go at the airport, you put everything off your clothes. Dans d'autres pays, in other countries, parce que j'ai aussi pris le visa des États-Unis dans d'autres pays, là-bas, même les sacs, vous ne laissez rien, même les sacs, vous ne laissez pas ça dans l'endroit à 100 mètres de l'ambassade, même les sacs, à cause des attentats. Yeah, even the bags, you leave it at 100 meters. Donc, dans d'autres pays où il y a l'ambassade des États-Unis, quand vous prenez le visa à l'extérieur, when you take the visa out of the country, il y a souvent des maisons où les gens savent déjà qu'ils font un service où ils reçoivent les sacs des gens et puis ils payent. There are houses à côté de l'ambassade des États-Unis. Yeah, close to the embassy, they receive bags and so many things. Yeah. Et donc, je dis dernier conseil, qu'est-ce que vous me dites? I said, what advice can you give to me? Elle m'a dit, dernier conseil, c'était une Américaine. Elle m'a dit, dernier conseil. It was an American lady. She told me, last advice. Portez une chemise blanche. She said, wear a white shirt. Coiffez-vous bien. Cut your hair well. Et ayez l'air normal. And be a normal person. Et j'ai fait ça. And that was it. Yes, je me suis coiffé, j'ai pris une belle chemise blanche. I cut my hair, I had a white j'ai shirt. J'ai remonté les manches. I put the brackets very well. Et puis je suis allé à l'ambassade. And then went to the embassy. Yes. Parce qu'à la fin, même si tu as tous les papiers, ils décident à la fin. Even though you have all the papers, ils peuvent te regarder comme ça. They just look at you like that. Puis ils disent la tête du gars là est bizarre. And they said the head of this guy is very strange. C'est ça non? Yes. Oui. À la fin, ils décident. C'est honteux à la fin. At the end, they decide. Yeah. Je devais aller à un mariage. Je crois que ça devait être à New York. J'allais à un mariage depuis. I had to go to a marriage in New York. J'étais au Canada, je devais traverser et I was in Canada and I had to cross. Et là, je me suis rendu compte que mon visa des États-Unis était déjà terminé. And I noted that my visa in the United States was over. Donc, je devais demander un autre visa au Canada pour rentrer aux États-Unis. I had to ask another visa in Canada to go to the US. Je suis allé demander le visa au Canada. I went to ask the visa to Canada. Et là, je suis arrivé et j'ai demandé, voilà, non, on m'a expliqué pourquoi vous voulez prendre le visa. Mais vous devez prendre le visa dans votre pays normalement. C'est pas ici que vous prenez le visa. No, I arrived there. They explained that you were not supposed to take the visa here. Mais je savais pas. I said I didn't know. Je savais pas que mon visa était déjà expiré. I didn't know that my visa had always been worn out. Et vous voulez aller faire quoi aux États-Unis? And what are you going to do in the United States? Non, je vais aller pour un mariage. Je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur? I said I'm a pastor. Là maintenant, j'étais pasteur. Là, je n'étais plus en chemise blanche. Now I was not in white shirt. I was a pastor right là, now. Là, j'étais pasteur maintenant. I was a pastor. Je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur? I said, oui. Ah, you're a pastor.
Ah, vous êtes venu, je suis venu voir mes pasteurs ici. J'ai des missionnaires ici. Vous avez des missionnaires ici au Canada? He said, oh, I have oh, you have missionaries here in Canada. Dit, okay, yes. Vous, on vous donne le visa tout à l'heure. Asseyez-vous à côté. We give you visa just later. Yeah. Later. Asseyez-vous juste à côté, à côté. Juste just à côté. Sit on down, vous donne le visa. Sit down, sit down. We give you the visa. Yeah. Donc, vous voyez, tout dépend de comment tu es, quoi. Il y a des choses que. Même si tu es spirituel, la manière dont tu es, c'est ça qui est important. There are things that even though you are spiritual, it depends on how you look. Si tu es un peu bizarre. If you're a little bit strange. Yeah. Je crois qu'il y a un chant qui parle comme ça, qui dit que, je ne sais pas si Jésus est le plus beau de tous les fils de l'homme. Yeah, there's a song. Il y avait un chant comme ça. Hein? Jesus is the... Yeah. Donc Jésus est beau, il faut arrêter d'être vilain, les gars. What a shock. Yes. On reprend, Jésus. Donc Jésus est beau, il n'est pas seulement spirituel. Jesus is not only spiritual, he's also handsome. Yes. Handsome. Dieu t'a béni pour toujours. Yeah. La grâce qui coule est un baume de vie et un baume d'amour. Yes. Un baume de vie et un baume d'amour. Essaye de me rappeler ça demain, on va essayer de faire concours de beauté. Il y a des frères qui sont trop vilains. Remind me tomorrow, we'll make a competition of beauty. There are brothers who are too ugly. Non. Bien, vous voulez que je vous donne les trois moyens de devenir beau. Yes, trois moyens. Daddy, preach it, preach trois it. Moyens. Daddy, preach it. Non. Papa, explique le feeling. Non, les trois moyens. The three ways. Il y a trois dimensions de la beauté. There are three levels of beauty. Il y a la beauté originale. There's original beauty. Il y a la beauté organisée. There's organized beauty. Yes, la beauté c'est pas pareil. Beauty is not the same. Tu peux être né vilain, mais tu t'es organisé à être beau. Yes. You can be born an ugly boy, but you organize to be handsome. Tu organises les choses. Yeah. We organize things. Vous savez que dans une chambre, une maison, on peut avoir la même maison mais avoir deux locataires différents. You know that we can have the same house but two. Il y a un locataire quand il arrive, il change la manière dont la maison se trouve. Yes. One même le propriétaire dit, waouh, ça c'est. Yeah. Even la même maison, hein. The same house. The renter comes. Le bailleur dit même, mais celui qui était ici a gaspillé avant toi. The owner says that the one who was. C'est vrai ou c'est pas vrai? Yes. Donc tout dépend du locataire. So it all depends. La on même the maison, renter. La même maison, la même chambre. The same house, the same room. Yes. Donc il y a la beauté par l'organisation. So there's la manière beauty dont ils s'organisent. Through organization. Yes. Yes. Wow. Wow. Il y a la beauté par l'hygiène. And there's beauty through hygiene. On dit bien que le gars là il n'est pas beau mais il est propre. Yes. This guy is. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Allez, le gars, non, la soeur te dit bien. Le gars là il n'est pas beau mais ce que j'aime chez lui c'est qu'il est propre. The sister said that this man is ugly but he's so clean. Qui fait ça? Qui sait ça? Who knows that? Who's yes. Knows that? Yeah. Allez, on t'aime par propreté. We love you because you are clean. Yes. Eish. On t'aime parce que tu es propre. We love you because you are clean. Yes. Yeah. Voilà. Yeah. Les frères en Christ sont trop vilains. Brothers Whoa. In Christ are too ugly. Cast yes. Feeling. Ils sentent mauvais. They smell ils ne se brossent pas les dents. They don't brush their teeth. Les frères en Christ. Brothers in Christ. Ils découragent. They discourage. Les frères en Christ, they discourage. Vous savez quand je prêche souvent. You know when I used to preach. Même parmi les jeunes. Even among the young people. Parce que quand je prêche, peu importe le pays où je prêche. No matter the country where I preach. Les choses qui peuvent arriver, c'est que un, vous pouvez recevoir de l'argent. The things that can happen is that one, you can deux, receive money. Deux, pouvez un voyage peut tomber sur vous. A travel can come upon you. Trois, vous pouvez trouver votre mari. Yes. Three, you can find your husband. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. True or not? Quatre, vous pouvez recevoir l'onction de l'appel. Four, you can receive the anointing of the calling. Il y a des choses qui peuvent tomber quand je prêche partout, peu importe l'endroit. Yes, 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 pas seulement ici. Yes, yes, non, yes. Non, c'est, non, c'est where pas seulement I ici. Preach, something can fall on you. C'est pas seulement ici. Not only here, not only here, everywhere. Et deux fois quand
je prêche. And sometimes when I preach, vous allez voir qu'il y a souvent des sœurs qui sont en train de faire ça. You see that there are sisters who are speaking in tongues. Elles prient. They are praying. Vous savez pourquoi elles prient? You know why they are praying? Elles sont en train de dire Dieu. They are saying God. Toutes les grâces, sauf le gars qui est à côté de moi là. Oh. All the graces except the brother that yes. is beside me. Parce que des fois les frères en Christ, des fois les frères en Christ sentent mauvais. Because sometimes the brothers in Christ smell bad. Donc quand tu vois une soeur de foi, et pourtant c'est pas la prière, quand tu vois une soeur qui fait, when you see a sister who said it's not really praying. What a shock. Les frères en Christ, c'est vrai ou c'est pas vrai? Sister first, is true or not true? What a shock. Non, je vous dis, I'm telling you the truth. Yeah. Parce que elle sait que à tout moment, je peux dire par exemple toi et toi. Oh. Because she knows that every time I can say you and you. Donc, quand tu vois une sœur qui fait ça. So when you see a sister speaking what in tongues. What a shock. Alors que c'est pas la prière, mais elle prie. But it's except it's not prayer, but she's praying. Aïe. Yes. Aïe. Ça fait mal au dos. Yeah. Je revenais d'un voyage et j'étais à l'aéroport. I was back from travel. J'avais I was déjà passé la police et puis je suis rentré dans un magasin où il y avait des parfums. I passed to the police and I went into a perfume spray. En général, je ne mets pas des parfums parce que je me lave. Generally, I don't put perfume because I bath. Mais il y a ceux qui doivent vraiment prendre des parfums. But there are people who have to take perfume. Parce qu'avec eux, l'eau est inefficace. Because with them, water. The water is ineffective. Et donc je circulais dans le magasin et puis on me présentait les parfums. Je me suis rendu compte que les parfums là coûtaient cher. I noticed that the perfume were expensive. Je disais à la vendeuse que oh, comment l'eau peut coûter cher comme ça? I said to the sellers that how can water be costful like that? It's too much. L'eau qui coûte cher. Water that is expensive. Yes. Et ça avait des odeurs différentes. And that had yes, different yes, l'eau. Yes, yes. Water. Louer le parfum. C'est quand on s'est rendu compte que l'eau naturelle. The perfume is that we notice that the natural water sur toi on you ne t'aide pas. Doesn't help you. Donc on a pensé we have thought à une autre eau pour te sauver. For another water to save you. Il faut acheter des parfums de foi. So sometimes buy perfume. Tu te laves d'abord. You wash first. Après tu te parfumes. And then you perfume yourself. Yes, c'est la vérité. Je dis la vérité. I'm telling you the truth. Parce que certaines personnes, because some person, elles étouffent les autres. They stronger the other people. Non, je blague pas. C'est la vérité. I'm not joking. It's the truth. Elles étouffent les autres. They stronger the other people. C'est-à-dire que l'autre est là. The other one is there. Tu vois, l'autre a toujours le masque levé. You see, the other one has always his mask. Tu dis mais pourquoi il est assis mais il a toujours son masque levé? Why is he sitting but he always has his mask? C'est pas la COVID qui l'a fait. It's not COVID-19. C'est la puissance de ton odeur, la force. It's the power of your smell. What a shock! Non, c'est, non je, vous savez, moi quand je prêche, j'en profite pour donner des vérités. You know, when I preach, I profit to give you truths. Des vérités hygiéniques. Truth that can be very useful to you. Par exemple, vous pouvez vous brosser les dents, mais toujours avoir une mauvaise haleine. For example, you can brush your teeth, but always have a bad hall. Alors, c'est dû à quoi? What is it due to? Mais c'est parce que, voyez-vous, se brosser les dents, brushing your teeth, c'est une partie de se nettoyer la bouche. It's a part of cleaning your mouth. Quand on se nettoie la bouche, on ne se brosse pas seulement les dents. When you clean your mouth, you don't only brush your teeth. Yes. Yes. Quand on se nettoie la bouche, on se brosse aussi la langue. When we brush our teeth, we also brush our tongue. Deux. Two. Quand on se nettoie la bouche, when we clean on utilise mouth, aussi d'autres instruments we à use, part la brosse à dents. We use par other exemple, tools. Le fil dentaire. Yes. For example, the dentist. Vous savez pourquoi on utilise le fil dentaire? You know why we use that tool? Mais parce que la brosse à dents ne peut pas travailler entre les dents. Because the brush cannot work between the teeth. Alors que les aliments que vous mangez, or the food you're eating, n'est-ce pas, vont s'accumuler entre les dents. Will be accumulated between your teeth. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que pour ceux qui ont des dents, comme on dit, percées, vous allez vous rendre compte que c'est souvent percé entre elles. You will notice that the teeth that are whole, there's a hole between them.
Malgré le brossage, ça reste entre les dents. Because despite brushing your teeth, it stays between the teeth. Quand tu brosses, ça touche juste la surface. When you brush, it always only touches the surface. But between them, les feuilles de manioc que tu as mangées depuis 3 jours, c'est là. Oh, the cassava. Après, tu as mangé, je ne sais pas quoi, les cotis, c'est resté mélangé au feu de manioc d'il y a 3 jours. You ate cotis and it left inside. Après, tu as pris le lait caillé, je ne sais pas où. Après, c'est resté une partie restée à l'intérieur. You took some milk and it. Après, tu as encore mangé quoi? And then you ate what? L'arachide, voilà. Tu as pensé rester encore. Regarde, mélange d'arachide, lait caillé, fait de manioc, quoi encore? Cotis. Hein? Cotis, quoi encore? Hein? Le gari. Bon, le gari, quoi encore? Hein? L'haricot. Voilà, l'haricot. Yeah, beans. Attendez, vous aussi, réfléchissez un peu. Try to think a little bit. Vous mélangez ces choses-là pendant 5 jours. Oh! Mélanger, hein, 5 jours. You mix those things for 5 days. Vous laissez ça 5 jours comme ça. Five days like that. Ça dort le matin, à midi, la nuit. Ça dort le matin, à midi, la nuit. Ça dort. Morning, noon, night. Quand vous revenez, tout ça là mélangé. When you wake up, all of that mixed up. C'est ce qui se passe entre vos dents. That's what happens between your teeth. C'est pourquoi même si tu brosses, even though you brush them, l'accumulation de ces aliments là sont au niveau. Accumulation of those food is inside your teeth, between them. Yes. C'est un produit chimique mortel. Wow. It's a deadful chemical product. Et puis tu dis, mais pourtant j'ai brossé. Mais non. And you said, yet I brushed my teeth. Tu n'as pas utilisé les autres moyens de nettoyage. You did not use the other tool of cleaning your teeth, your mouth. Vous n'avez pas vu que nos parents ouest-africains, les Mamadou, les ont toujours des trucs. Haven't you seen that our brothers, vous n'avez pas vu comment ils font comme ça? Western African, they always have toujours. Things. Always. Yes, toujours. C'est comme ça que ça se passe. Il faut faire arrêter. Une fois tu es là comme ça, tu as besoin de ta brosse à dents, mais tu es un tueur. You have your toothpick brush, but you're still a killer. Moi, les questions que je me suis souvent posées en matière d'hygiène, c'est le Saint-Esprit peut-il utiliser quelqu'un qui a des problèmes hygiéniques? Je me dis, je me dis, est-ce que le Saint-Esprit peut utiliser un gars qui se lave pas? I vraiment. Always ask myself to know, can the Holy vraiment. Spirit use someone who does not bathe himself? Je trouve ça bizarre. I find it strange. Je trouve ça bizarre. I find it strange. Par exemple, tu ne te brosses pas les dents. Tu es un gars qui se brosse pas les dents. For ta example, bouche sent très mal. Really, you Et don't puis, brush le Saint-Esprit t'utilise puissamment. You don't non, brush non, your je crois teeth pas que le Saint-Esprit and fait the Holy Spirit use you powerfully. Parce que quand je regarde les prédicateurs, quand je regarde les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, quand je regarde les chrétiens, hommes d'affaires qui réussissent, tous sont propres. When I look to the men of God, all those who succeed, je ne vois pas dans clean. Le monde des gens que Dieu utilise vraiment et puis qui sont sales. I don't see people that God uses truly and they are dirty. Yes. Yeah. Je pense que la sagesse spirituelle est bien au-dessus de la sagesse hygiénique. Ça signifie que quand on est sage spirituellement, c'est qu'on a déjà traité la petite sagesse de l'hygiène. I think that the spiritual wisdom is beyond our cleaning wisdom. Therefore, when we are spiritual, we have ruled all the other things. Yeah. Avant, même quand on était petit, même quand il n'y avait plus de pas dentifrice, les parents montraient des moyens de se brosser les dents. Yes. When we were young, c'est vrai ou c'est pas vrai? Yes. Even though there were not toothpaste, parce qu'il y avait des soucis. Un souci. The parents will show un us moyen another très traditionnel de se brosser. Il y avait un souci de garder sa bouche propre. There was a worry to keep your mouth clean. Yep. Et il y a des gens, eux, vraiment, ils ont un problème d'odeur. Ils ont un problème d'hygiène. There are people they have a problem of. C'est pas normal. Cleaning. Problem. Lave-toi. Wash yourself. Take a bath. Nettoie-toi. Lave-toi. Take a bath. Même. Please. Ce que je dis, c'est quand même bien ou pas? What I say, is it good or not? Lave-toi. On a deux fois envie de te bénir, mais tu es sale. Sometimes we want to yes. bless you, but you're too dirty. On a envie de, mais tu n'es pas très propre. We want to do something, but you're not very clean. On a un de fois on veut faire un projet dans mon lit, mais le gars est quand même bizarre. Sometimes we have a project, après, but we look the guy is weird. On laisse ça, il est bizarre. We leave it, we just il leave est sale, it. Peu. It's dirty, we just leave it. Yeah. Yeah.
Bon, les sœurs, il y a deux catégories. Il y a celles qui sont vraiment propres et puis il y a les sœurs qui sont cinglées. Tu sais, les femmes, il y a grave. Les femmes, sisters, you have two categories. There are those who are really clean and those who are a little bit full. Vous savez, chez les femmes, c'est pas comme chez nous. With the ladies, not like us. Chez les femmes, il y a toujours deux catégories. With the women, there are always two categories. Celles qui sont intelligentes et puis celles qui sont bêtes. Excusez-moi quoi, mais c'est un peu. Those who are intelligent and those who are stupid. Chez les femmes, il y a toujours deux catégories. Il faut jamais croire qu'elles font tous pareillement. Non, chez les femmes, il y a celles qui savent préparer et puis il y a celles qui ne savent pas préparer. With the ladies, voilà. There are those who know how to cook. Comme chez les femmes, il y a toujours en tout, il y a toujours deux catégories. With the ladies, there are always two categories, always. C'est chez les garçons, vous pouvez voir gens beaucoup qui sont sales. With the men, you see a lot of them. They are. Est-ce que vous dites c'est vrai ou c'est pas vrai? Whether vrai. It's true or not? Hein? Yeah. Après la pause, si je dis qu'on fait, bon, on se met en rang comme ça, des rangs. Les If hommes. We make rows concours d'odeur, on fait concours d'odeur, tu passes. Competition hein? Of smelling. Oh. Pasteur Ted et ses gars ils font. Pasteur Ted and his boys Pass. Are doing. Yes. Oh, oh. De côté. Je vous dis, vous allez voir que le côté qui sent mauvais est nombreux. You will see that the side that smells bad is filled. Parce que les gars, eux, ils se disent que c'est pas l'odeur, c'est pas important. You know, the guy said that the smelling is not very important. Non, l'odeur c'est quand même important, mon frère. The smell is important. Ce qui compte c'est l'esprit. Hein, les garçons. The boys. Yeah, les femmes savent de quoi il s'agit. The ladies know what we're talking about. Il paraît qu'il y a des frères là, s'il enlève sa chaussure. Oh. On appelle la PJ. On appelle la PJ. There's some brothers. If he takes us his shoes, yes. We call the police. On appelle la police. On appelle la police. We call the police. Yes, pour tentative de meurtre. With crime attempt. Wow. Wow. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est true or false? Non, il paraît. We heard that. Il paraît qu'il y a des frères comme ça. There are brothers like that. S'il enlève la chaussure seulement. If he takes off his shoes. Tombe. Wow. Wow. Ça c'est pas bien. Hein? That's not good. Il faut être constant. Il faut être constant. You have to be constant. Vrai. True, intelligent. Smart. Constant. Constant. Et constant. Constant. Yeah. Il faut. Ils ont quoi aux oreilles? Ah, nettoyer les oreilles. Oh, mais oh. Ça fait... Non, mais ça là, je ne pense même pas que ça c'est normal. What a shock. Wow, oui, mais ça c'est autre chose, hein. But that's other thing. Non, ça c'est l'hôpital qui traite ce genre de choses. That's the hospital that treats that kind c'est vrai of c'est stuff. Pas vrai? True or not? Non, ça c'est l'hôpital. That's the hospital. Qui traite ce genre de choses. That treats that wow. Kind of stuff. Ouais. Oh. Là, la maman dit tous les secrets. Elle amène ça loin. La maman nous descend. Bon, je sais que les garçons, c'est vrai que toute chemise ici, là, qu'on fouille. La chemise blanche. The boys. Vous savez que j'ai vu des chrétiens, des jeunes chrétiens. I've seen young Christians. Je crois, je portais les tenues, les hauts pastoraux là, on plie comme ça, hein? I used to have that pastoral. Yes. Viens là, tu achètes ça en Afrique du Sud, quelque part, tu arrives, tu prêches. You buy it in Après, South j'ai Africa. Vu beaucoup de jeunes maintenant, ils avaient les hauts là. J'ai dit, oh. And I saw a lot of young Ils ont trouvé ça it. Où? I said, where did they find it? Qu'est-ce que les gars ils faisaient? What the guy would do? Donc, quand le col les a déchirés. Nadine ne sort pas la doc. Col en haut. Oh non. Le col Mao. Quand le col est déchiré à cause de la saleté ici, le gars il prend le couteau de ciseaux. Il coupe la partie qui tombe ici. Donc tu crois que c'est un vrai col? Secret professionnel. What a shock. Oh non, les jeunes. Oh non, les gars sont intelligents. Mais ils sont quand même intelligents. Acclamons Dieu, ils sont quand même intelligents. Good for them, they are very smart. Non, les gars sont intelligents. The guys are smart. Yeah, tu peux même croire qu'il a vraiment acheté ça comme ça. You can even think that he really bought it like that. Yes, les gars sont intelligents. The guys are smart. Wow. Wow. Hallelujah. Amen. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame Dieu. Stand up and clap the Lord. Wow.
Wow. Wow. Assieds-toi. Sit down. Wow. Donc demain il va avoir test pour ça. Les noms vont être donnés. So tomorrow there will be a test and the name will be given. Mais il faut seulement rester constant. Tout le monde passera par la rivière au fur et à mesure. Il faut rester attaché à Dieu dans le ministère. Just be constant. Everyone will go through the river. Faut pas te dire que tu n'as rien reçu. Lui quand il est venu, il savait pas que le camp là il devait. Don't think that I have received nothing. This one when he came, he did not know that he would receive something today. Alléluia. Amen. Donc je sais que tous les matins on vous fait un résumé de ce que nous avons partagé. So every morning you receive a resume of what we have shared. Parce que on nous dit que 11% seulement de ce que nous écoutons reste en nous. 11. It is said that only 11% of what we receive stays inside of us. Et c'est pourquoi on revient insister pour dire on a entendu ça hier. On a entendu ça hier. That is why we just come back and insist to say that's what we heard yesterday. That's what we heard yesterday. Wow. Wow. Alors aujourd'hui, je vais partager des choses. Je vais essayer. Today I will share some things and I will try. Après, je vais faire une pause. On va reprendre à 16h. And then I will make a break and we will start back at 4 p.m. Mm. Alors, je vais d'abord souligner un aspect important. I want to underline a very important aspect. Comment on fait pour être identifié? How can we do to be identified? C'est-à-dire, on est nombreux comme ça. Meaning that we are full like Et this. Et puis tu te dis, and you said yourself, il y a même des gens qui font ça quand on fait de voir les illustrations. There are people who does that when we make illustrations. Okay, qui veut 100 000 francs? Il dit, mais mon Dieu, pourquoi c'est jamais moi? He said, why it's never me? Quand est-ce que ça va être moi un jour dans cette When affaire? Will it be me in this matter? Alors je vais expliquer comment on fait pour être identifié. How to be identified? Dans une foule. In a crowd. Dans un ministère qui est grand comme VLR. In a very huge ministry like VLR. Comment ton tour va-t-il faire pour arriver? How your turn will Parce come. Que tu peux être vrai, mais puisqu'il y a beaucoup de gens, on ne sait pas que tu es là. You can be true, but because you're qui comprend ce que je there dis? Are so many people, we cannot know that you're there. Quand nous faisons nos séances, à la fin, le soir, je suis toujours les séances qu'on a eu à faire. When we have session, I always follow the session after. Et je vois ce que je ne voyais pas pendant la séance. And I see what I cannot see during the session. Je vois des gens qui prient. I see people praying. Je vois des gens qui sont très attachés au moment de prière. I see people attached to the praying moments. Je vois des gens qui sont dingues. Calme de méditation. I see people who have a meditation je regarde. Call. I look. C'est pourquoi les caméramans, tout ça là, ils doivent pas fumer le chanvre avant de filmer. That is why all the cameramen they should not smell drugs before they film. Yes. Il faut vraiment qu'ils soient spirituels. They really need to be spiritual. Une des choses que je reproche à des techniciens. One of the things I rebuke to the technicians. C'est-à-dire à tous ceux qui touchent une forme de technique. All those who have a kind les musiciens, of technique. Musicians. Donc les batteurs, les guitaristes. Les caméramans et tous ceux qui sont là-bas, les chanteurs, the singers, les secrétaires, the secretaries, tous ceux qui font, qui touchent un truc technique. Those who have a technical thing. Une des choses que je leur reproche, one of the things I rebuke to them, c'est de croire que la chose qu'ils font pour Dieu là n'est pas spirituelle. Is to think that what they are doing for God is not spiritual. Yes. Yes. Tout ce qui est à Dieu est spirituel. All what belongs to God is spiritual. Donc on peut pas venir comme ça, on arrive quelque part, on n'a pas prié, on est embrouillé et puis on vient s'asseoir au piano, on commence à jouer. So we cannot come just like this, we are confused and we just start playing. Après sans s'en rendre compte, on commence à jouer Fally Ipupa et puis on a oublié qu'on a joué Fally Ipupa. Après on dit oh. And without noticing, we are just there playing Fally Ipupa. And then we notice that, oh. Les techniciens sont et doivent être spirituels. The technical Amen. People must be spiritual. Il y a dans une conférence un moment. There's a conference in the moment. Un temps fort de prière. Strong prayer time. Et pendant que l'orateur était en train de prier. And while the preacher was praying. Même dans VLR, on a vécu ça. Even in VLR, we lived that. Et à cette conférence aux États-Unis. In that conference in the U.S. Pendant la prière. During the prayer le Saint-Esprit a envahi tout le monde. The Holy Spirit was touching everyone. Et le pianiste,
And the pianist, qui était en train de jouer, who was playing, s'est écroulé. He fell down. Et le piano a continué à jouer seul. And the piano kept on playing alone. Yes. Wow. Yes. Le piano a continué à jouer the seul. Piano kept on playing alone. Et on a vu plusieurs conférences. And we have seen a lot of conferences. Où le caméraman est tombé, la caméra continue à filmer. Where the cameraman fell down, but the camera kept donc, on il faut, filming. Il faut croire vraiment à Dieu. So you must really believe to God. C'est pourquoi hier j'ai insisté. Il faut que les gens comprennent que c'est une affaire personnelle et sérieuse. You must understand that it's a personal thing and it's serious. Tu n'auras jamais ce que tu ne respectes pas. Yes. You will never have what you don't respect. Amen. Il faut pas tomber, il faut pas désacraliser les choses. Yes. Il faut pas désacraliser. Une chose est sacrée, faut pas la désacraliser. When something is sacred, don't put it off. Ça c'est le péché de Ésaü. That's the sin of Esau. Hein? Le grand frère de Jacob. The older brother of Jacob. Quand tu ne connais pas respecter ce qui est sacré, c'est pas bon, c'est un grand péché. When you don't know how to respect what is sacred. C'est-à-dire que toi tu ne seras jamais élevé dans la divinité. You will never be put highly appointed in divinity. Il y a des anciens comme ça, des pasteurs comme ça, des diacres comme ça, des chantres comme ça. There are elders, deacons, pastors, singers like that. Des gens qui pensent que les choses saintes n'existent pas. People think that holy things does not exist. Il peut venir ici là, il y a pas réunion. Il monte ici. They can come mais here. Mais qui qu'on monte ici comme ça? But who tells you that we come up here like that? Pourquoi tu penses qu'on fait comme ça? Why do you think that we do like that? Pourquoi? Why? Il y a des choses saintes. There are holy things. Il y a des choses saintes. There are sacred things. Esaïe ne savait pas ça. Esau didn't know that. Il savait pas que le droit de naissance est spirituel. He didn't know that the birthright was spiritual. Il faut pas faire ça. Don't do that. Il y a des choses qui sont saintes. Quand on dit que quelqu'un est ton responsable. There are things that are holy when we say that someone is your leader. Faut pas croire que c'est un truc négligeable. Don't think that you can neglect it. Il y a des choses qui sont saintes. There are things that are holy. Mis à part. Put aside. C'est-à-dire Dieu considère ça. God has a regard on that. Yes. C'est pourquoi vous entendez quand on dit asseyez-vous, on fait l'offrande. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'offrande, oh, c'est un faux truc, c'est pas important. Mais moi, toi tu n'es pas bien toi. That is why you see, we say people sit down, we are taking the offering. Some people dans la Bible, Dieu, à cause de l'offrande, a tué plusieurs personnes dans la Bible pour l'offrande. In the Bible, God killed so many people because of the offering. Dès qu'on fait l'offrande, tu dis, oh, c'est fini donc. When we take the offering, you say it's over. Mais on est toujours au culte là. But we're still at the service. Pourquoi tu es comme ça? Calm down. Why are you like that? C'est ce qu'on appelle le sacrilège, c'est le péché du sacrilège. That is what we call the sin of falling down what is sacred. Mépriser une chose que Dieu considère. Despising something that God regards. Faut faire attention. Be careful to that. Il est écrit que tu ne porteras pas d'accusation contre un ancien sans deux témoignages ou trois témoignages. It is written that you can never accuse an elder. Dès que quelqu'un est établi ancien, même s'il est jeune, dès qu'on est établi ancien, Dieu a dit. Mais c'est Dieu qui a dit. Even when someone is established, appointed as an elder, even though he's young, God said. Et c'est pourquoi Dieu dit, bon, toi, laisse. C'est-à-dire, il ne peut pas faire un truc important avec toi, juste le superficiel. Parce que tu ne respectes pas des choses que lui ne respecte. That is why God cannot do a very important thing with you, because you do not respect. Dès que Dieu dit que quelqu'un est ancien, when God says that someone il est dit, is elder, tu ne porteras point d'accusation. It just means that you can never accuse him contre un ancien. Against an elder. Si ce n'est sur le témoignage de deux ou de trois. Only if two or three persons testified against mais him. Mais on voit des gens parler, ils s'en foutent de ce que Dieu a dit. I see people talking, mais, they don't care about what God said. C'est l'ancien temps qui a fait ça. Et puis on lui a dit, did that. Il a fait ça. Oui, he j'étais that. Là. Were non, you mais there? C'est tel qui a dit ça. Regardez-moi un enfant comme ça. Look at someone like that. Et vous commettez deux fois beaucoup de ces péchés, des sacrilèges. You make a lot of those sins. Lot of those sins. Qu'est-ce qui s'est passé avec Esaü? Esaü était là, il était là, mais quoi? Il n'était plus dans le programme. Yes. Donc quand vous êtes comme Esaü, vous êtes toujours like là. Esau, you're still there. Mais il n'y a rien de spécial pour vous. But there's nothing special for you. C'est ça le problème, le péché d'Esaü. That is the sin tu restes enfant de Dieu.
You stay son of God. Mais il n'y a rien de spécial. But there's nothing special for you. Yes. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est de l'esprit, c'est pas pour toi. What is spiritual? What comes from the spirit is not for ne you. Ne tombez pas dans ça. Don't fall into that. Respectez une chose dès qu'elle est déclarée sainte. When something is declared holy, respect it. Respectez ça. Respect it. C'est pourquoi vous voyez David, il pouvait tuer Saül, non? Therefore, you will see that David can kill Saul. He can kill Saul. Mais qu'est-ce qu'il dit? But what does he say? Je ne toucherai point. I can never touch. Parce que ça, le oint est considéré pour Dieu comme étant saint. Because the anointed, Dieu juge ses serviteurs. God, the anointed is considered as a holy person. Et puisque Dieu lui-même juge ses serviteurs, because God judges his servants, c'est pas toi qui fais ça. You don't have the right to do that. Amen. Faut faire attention. Be careful. Faut pas faire le désordre. Don't make disorder. Pas faire des désordres. Don't make disorder. Des gens qui prennent les choses de l'église pour des services personnels. People who take the things of the church for personal services. Des gens qui parlent n'importe quoi à l'église. Tu es là, ici c'est l'église. Tu es là et puis tu te moques des gens dans l'église. Mais mon parent, va te moquer des gens hors du bâtiment, le machin. There are people even mock other people in the church. J'ai envie de te faire une blague. Viens d'abord. Vous sortez du portail. I want to make you a joke. You get out of the gate. Après tu rentres. Then you make the joke and then you come back into the church. Tu reviens parce que ici c'est un lieu saint, c'est un lieu de prière. Because here is a holy place. It's a prayer place. C'est fort. It's very strong. Si tu veux qu'on te localise, if you want to be located, voici ce que tu dois faire. This is what you must do. Tu dois être, you must be, fidèle et soumis à la personne qu'on a mis au-dessus de toi. Faithful and submitted to the person we put before you. Vous savez, il y a des gens qui veulent être, you know, there are people who wants to be, ils veulent être connus dans la foule. On ne peut pas te connaître dans la foule. They want to be known in the crowd. We cannot know you in the crowd. On ne peut que te connaître que par recommandation. We can only know you through recommendation. On ne peut te connaître que par recommandation. We can only know you through recommendation. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Who understand what I'm saying? Yes. Acts chapitre 2 verset chapitre 20 verset 32. Acts chapter 2 verse 20. 20 32. Acts chapter 20 verse 32. Romains 16 1. Romans 16:1. 2 Corinthiens 10 18. 2 Corinthians chapter 10 verse 18. Donc je reprends. Acts chapitre 20 verset 32. Acts 20:32. Romains 16 1. Romans 16:1. 2 Corinthiens 10. Je vous montre comment on fait pour apparaître alors qu'il y a beaucoup de gens, mais finalement ta lumière brille. I am showing you how finally you can appear even there's so many people. Yeah. Lisez. Read it. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Yes, je vous recommande à Dieu et je vous recommande à la parole de sa grâce. I commend you to God and to the word of his grace. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Yes, celui qui peut édifier et vous donner votre part d'héritage. The one who can sanctify you and give you your inheritance. Avec l'ensemble des sanctifiés. With all the saints. Alors lisons encore l'autre verset. Let's go to the other verse. Romains chapitre 16 verset 1. Oui. Je vous recommande Phoebe, notre sœur. Oui. Qui est diaconesse de l'église de Sancré. 2 Corinthiens 10 18. 2 Corinthians 10, 18. De Corinthiens 10, 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même
qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Ok. Quel est le refrain de ces trois versets? Recommandation. N'est-ce pas? Yes. Dans ces trois versets, on dit qu'il faut la recommandation. In these three verses, we're talking about the recommendation. La recommandation est une chose très puissante qui contrôle le monde. Recommendation is a powerful thing that controls the world. En vérité, la recommandation est plus puissante que ce que vous imaginez. Recommendation is more powerful than what you think. Levez-vous un peu. Stand up a little bit. Restez quelques minutes debout. Stay a few minutes standing. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des jeunes, ils entendent seulement ce que je dis à distance, genre la recommandation. Ils sont là, mais ça fait comme à distance. There are some young people, I feel that they just hear me from afar. Je sais pas où ils sont. I don't know where they are. Même à l'école, c'est comme ça. Le prof explique. Il y a des élèves qui, n'est-ce pas, non? Ils sont pas là-haut. Even at school, ils entendent ça comme à distance. The teacher is explained, but they are not there. They hear from afar. Mais peut-être il est à côté. Even though he's sitting close. Oh, vraiment. What a daddy. Bougeons un peu. Let's move a little bit. Yes, bouge un peu. Yeah, move a little bit. Yeah, bouge un peu. Il faudra que le missionnaire se prépare pour nous donner quelques chants. Est-ce que le missionnaire est là? Is the missionary here? Before Maranatha. Il a la caméra. Ah. Mais deux fois son manager n'est pas là. Deux fois il est en voyage. Donc, mais, si ton manager est là, il faut voir. Peut-être tout à l'heure vous allez. If your manager is there, just see if son you manager can est là. Is his manager there? Son manager est là, oui ou non? Is his manager fois, chez there? Les médias, il n'y a personne qui répond. Je ne sais pas pourquoi les médias, ils sont comme ça. I don't know why the on media peut poser la question là, ils sont tous là comme ça. Boum, boum. Je ne sais pas si c'est une secte ou bien un truc. Il y a quelqu'un qui doit dire genre oui ou bien oui. Il y a quelqu'un qui doit parler souvent. Someone can say yes or no. Regarde, c'est ça. Là, maintenant, quelqu'un a bougé. C'est comme si là-bas, quand tu es rentré dans le truc là, on t'initie, on te fait des choses. It's as if when you get in that stuff, you get initiated. Ça c'est bizarre, un comité où personne ne répond jamais. A place where no one answers never. Wow. Donc faites signe quand le missionnaire sera prêt. So just check. Vous asseoir. Sit down. Check up when the missionary will be ready. Alors quel est le refrain de ces trois versets? What's the refrain of these three verses? La recommandation. The recommendation. Qui peut rapidement checker et puis regarde rapidement une définition de la recommandation rapidement. Who can check the meaning of recommendation? Ceux qui sont rapides là. Those who are quick. Yes. Recommandation, c'est quoi? Vous levez la main et puis on vous amène rapidement le micro. What's the meaning of recommendation? Qu'est-ce que c'est une recommandation? Ah, quelqu'un a levé la main. Voilà. Ah, c'est elle qui a été, c'est celle qui a gagné beaucoup d'argent hier. La constance. Yes, la constance. Wow. Est-ce que le micro là passe? Le micro là ne passe pas. Le technicien est en train d'aider le missionnaire. Il a oublié. Il est technicien. Pour moi, la recommandation, c'est quand tu as... Non, ma fille. Ma fille.
Pour moi, la recommandation. Ma fille, ma fille. Ma fille, le nom du dictionnaire que tu as écrit s'appelle comment? Le nom. What's the name of the dictionary that you have wrote? Et ma fille, c'est pas parce que tu as gagné l'argent maintenant que tu écris aussi des dictionnaires. Laisse le micro, laisse le micro. Recommandation. It's not because you have one dictionnaire, money. Recommandation. Dictionary, recommendation. C'est mieux recommander parce que recommander. Recommander, on y va. On dit ici, désigner à l'attention, à la bienveillance et à la protection de quelqu'un. Désigner à l'attention, à la bienveillance de quelqu'un. Oui. Aussi, ordonner à quelqu'un, prier avec instance quelqu'un de faire quelque chose. Yes. Lui donner à ce sujet des instructions précises. D'accord. Synonyme. Who has the synonym? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre là? Donne le micro à l'autre d'abord. Regarde, insiste. Donne à voir. Cherche le synonyme. Recommandation, exhortation instante ou conseil pressant. Ok, là on est dans la dimension de la recommandation. Dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Mais il y a la recommandation aussi. Encore. There's also recommendation. Une autre personne? Another person. Une autre définition? Là-bas. Recommandation. Estime qu'on a pour la vertu, pour le mérite. Estime qu'on a? Pour la vertu et le mérite. Yes, estime qu'on a pour la vertu et pour le mérite. Ok, ça s'approche de plus en plus. It's oui. Getting close to the right decision. Il y a la recommandation sous la forme de l'ordre, de l'information. Je te recommande de faire ça. There's recommendation onto the order. Oui, on y va. On nous parle aussi de synonyme témoignage ou attesté. Très bien, il s'agit de ça. It's about that. Il s'agit de la recommandation sous la forme de témoigner de quelqu'un ou d'attester sur quelqu'un. It's the recommendation that means testifying. Synonyme, ça dit le témoignage. Yes. Action de témoigner, rapport d'un ou de plusieurs témoins sur un fait. Voilà. Soit de vive voix, soit par écrit. Yes. Il s'agit de cette forme de recommandation. It's about that type vous êtes of recommendation. Recommandé. You have been attesté. Yes, attesté. Certifier un fait, soit de vive voix, soit par écrit. Donc, c'est de cette recommandation dont la Bible parle quand elle dit que je vous recommande telle sœur. The Bible is talking about that type of recommendation. Suivez-moi par ici, regardez. Follow me very well. La recommandation est une chose très importante. Tout le monde vit la recommandation. Everyone lives by recommendation. En réalité, c'est la recommandation qui donne naissance à vos différents diplômes. It's your recommendation that gives birth to your different degrees. Y compris le baptême. Le baptême est une recommandation. Even baptism is a recommendation. La recommandation permet à d'autres personnes de vous présenter à une sphère précise. Recommendation allows someone to introduce you to a special ou à un individu or to a person ou à une instance or to an organization. Dans plusieurs domaines, nous avons besoin d'être recommandés. In many sectors, we need to be recommended. La loi spirituelle prévoit que personne ne peut se recommander comment? Lui-même. The spiritual law says that personne. No one can be recommended by himself. C'est très important de suivre, de faire attention à ça. C'est pourquoi, même sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas vous-même vous recommander. In the spiritual plan, you cannot recommend. Suivez-moi, regardez-moi les jeunes. Follow pas, me il, faut, well. il faut enlever ça dans la tête. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens. You know, there are people, la meilleure expression pour qualifier leur comportement, c'est qu'au fond, ils s'en foutent. There are some people they just don't care. Dis que, écoute, oui, mais toi vraiment, tu n'es pas très sérieux avec tes études ou avec ta foi. There are some people who say you're not very serious with your studies. La personne ne vous dit pas tant pis. The person doesn't say I don't care. Elle ne hausse pas aussi les épaules. She doesn't just push up. Vous allez vous rendre compte simplement qu'elle ne change pas. You will just notice that she doesn't change. Parce que dans le cœur, because in her heart, la personne te dit. The person says. Voilà. Il y a une manière de dire je m'en fiche mais ça ne se voit pas. There's a way to say I don't care but we cannot see it. Parce que ces personnes-là ne connaissent pas la recommandation. Because those persons don't know the recommendation. Elles croient, la plupart des gens et même les jeunes croient à la théorie de la vérité par la raison. There are people who believe in the theory of the truth by reason. C'est-à-dire que tu crois que ce que tu penses là, you think that what you think, c'est ce qui est vrai, is what is true. C'est pourquoi la Bible dit. Therefore, Jacques, the Bible says, il dit ne vous trompez pas. He said, don't deceive yourself. Par quoi? By what? Par le faux raisonnement. By fake reasoning. Tu peux croire. You can think. Tu peux croire que c'est non, moi
You can believe that I am wrong. Toi tu es toi là, toi tu n'aimes pas Dieu. He said that you don't love God. Pourquoi vous dites ça? Why do you say that? Toi tu n'aimes pas Dieu. You don't love God. Non non, moi au fond de moi je sais que j'aime Dieu. I know that deep inside me I love God. Mais on te dit ça parce que un, tu es toujours en retard. We tell you that because one, you're always late. Ce qu'on te demande de faire, tu ne fais jamais compte à demain de faire. What you are asked to do, you never do it. Il y a des preuves qui poussent la personne à te dire toi là tu n'aimes pas Dieu. There are proofs that show that you don't love God. Mais là tu fais quoi? Tu utilises ta raison. But what do? You use your pour te convaincre toi-même. To convince yourself. Et donc tu fais quoi? Tu mets de côté la réalité de la recommandation. So what do? You set aside the parce que la recommandation, c'est que quelqu'un de supérieur à toi doit dire, lui, il est sérieux. Lui là, il est sérieux. The recommendation of your high leader can donc, suivez-moi bien les jeunes. Est-ce que quelqu'un dans VLR, une autorité au-dessus de vous, peut vous recommander en disant, cette fille-là est très sérieuse. Is there someone in VLR who can say that that young girl is very serious? Si on ne peut pas faire ça sur toi, if we cannot do it on you, il faut essayer. You have to try. Tu vous dis même à ton responsable, même la chorale, tu dis à ton responsable. Tell to your leader. Tu l'amènes à côté. You bring him aside. Lui dit, he said, est-ce que tu peux me recommander au prix de ta tête auprès de l'apôtre? Can you recommend me at the price of your head before the apostle? Tu vas voir ce qu'il va te dire. You will see what he will say. Il va te dire, he will say, je t'aime bien, mais pas au point de me sacrifier. He said, I love you well, but not at the point to sacrifice myself. Pourquoi? Mais parce qu'au fond, pour lui, why? Because deep inside him, for him, tu es chrétien, you're a Christian, mais tu n'es pas encore recommandable. But you're not a person that we can recommend. Il faut essayer, hein? Faut try. Tout le monde, même vous là, vous avez tout le monde a toujours un responsable au-dessus de lui. Yes, yes. Everyone has a leader. C'est vrai ou c'est pas vrai? Yes. Tout le monde a un responsable au-dessus de lui. Everyone has a leader. Même à la pause, dis à ton responsable, est-ce que tu peux me recommander au prix de ta tête? Ask your leader, can you recommend me at the price of your head? Tu vas voir ce qu'il va te dire. You will see what he's going to say. Tête. Il va te dire non, je t'aime bien. He will say no, I love you, I like you. Mais pas au point de prendre ce risque. But not at the point to take that risk. Donc, est-ce que tu es recommandable? So are you a person that we can recommend? Est-ce que ton pasteur peut te recommander? Can your pastor recommend you? C'est-à-dire, ton pasteur consacré ou ton pasteur délégué, s'il se trompe, il perd son statut. It means that your delegate pastor or your pastor, local pastor. Retourne à l'église, ou bien parmi les responsables des jeunes, demande aux responsables des jeunes que... Est-ce que... Hein? Viens. For toi, example, you. Toi, viens. You come. Tu es de quel centre? You're in which center? Hein? Centre-ville. Centre-ville. Donc, vos jeunes sont ici, n'est-ce pas? Downtown, so your young. C'est lui le responsable du centre-ville, des jeunes. He's the leader of downtown. Ça signifie qu'il y a des jeunes du centre-ville ici. It means that there are downtown young people. Par exemple, si on choisit des jeunes du centre-ville, if we choose some young people from downtown, I put them here. Je dis bon. Je prends celui-là, celle-là. I say I choose this one. Tu n'as pas pu à Lomé, tu n'as plus de femme. If you make a mistake, you don't go to Lomé, you don't have no wife. Responsable du centre-ville. And you're no longer the leader of downtown. Vous allez bien voir que si je dis lui là, il va dire non. You will say that if I say this one, he say no. C'est vrai ou c'est pas vrai? True or not? Si je dis celle-là, il va dire jamais. I said that one, he say never. C'est ce qui se passe. Vous voyez que vous pouvez être là assis comme ça là. Personne ne vous recommande. That is why you can see that you're sitting there and no one recommends you. Ça c'est fort. Yes. 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 Mais pourtant, il me connaît. Yet he knows me. Dieu me connaît. Dieu God connaît mon knows cœur. Me. Le président me connaît. The president knows me. Pourquoi jusqu'à là? Why till now? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque dans ton dossier. It's because something is missing in your file. Qu'on appelle la recommandation. That is called recommendation. Donc il ne faut pas croire à l'onction comme ça, que genre, je marche comme ça, après je fais genre... So don't think, wow. Believe in the anointing. Non, ça ne passe pas comme ça. Don't believe in the anointing. I walk like this and I ça say you. Ça ne passe pas comme ça. L'onction est ordonnée. The anointing, yes. Has order, wow. Inside. Yes. L'onction est ordonnée. The anointing has l'onction order. L'onction est intelligente. The anointing, yes. Is smart. Wow. Yes. Yes.
Même quand je ne connais pas quelqu'un, even yes. when I don't know someone, j'ai déjà entendu. Lui, je le connaissais je pas. Confirme. He, je confirme. I don't confirme. Know him. Je le connaissais pas. I didn't know him. J'ai juste entendu parler. Yes. I heard about him. Mais je le connaissais pas. But I didn't know him. Parce que la recommandation, elle, elle contrôle. Because recommendation controls. Tu dois être recommandé. You must si, be quand recommended. Tu n'es pas, même si tu es intelligent. You must be yes. recommended, even though you're intelligent, you're smart. Même si tu es sérieux, mais tant qu'on ne te recommande pas, quelque chose manque dans ton dossier. Even though you are smart, something is missing in your file when you're not recommended. Yes. Yeah. C'est la raison pour laquelle non seulement on doit te recommander, mais aussi tu dois te faire recommander par la bonne personne qui elle-même est recommandable. You have to be recommended yes. by the good person yes. who is also recommendable. Regarde, si ton responsable des jeunes, lui, dans son dossier, il a grossi trois sœurs. If your oh. youth leader in his file, dès qu'il te recommande, on ne peut jamais t'accepter, même si toi tu es sérieux. When he recommends you, we can never accept you even though you're serious. Parce que dans son dossier, il est, le gars il est assali quoi. Even, because in his file is dirty. Donc il faut aussi savoir qui te recommande. So you have to know who recommends you. Vous comprenez comment ça se passe, non? Do you understand yes. how it works? La recommandation, l'onction utilise beaucoup plus la recommandation que le yes. hasard. The anointing uses a lot wow. recommendation than something else. Papa, les jeunes, je vous ai dit quoi? Il faut être quoi? Vrai? You have to be intelligent. True. Intelligent. Smart. Là. Smart. Là, je t'explique la vie. Faut pas suivre. I'm explaining life, how it works. Don't follow. Même moi, je fais le ministère après avoir été recommandé. Even yes. I do ministry after being recommended. Je suis rentré dans le conseil de l'évêque Dag par recommandation. Yes. I entered Bishop Dag's council wow. by recommendation. On m'a recommandé. How I've been recommended. Yes. Yes. Faut pas croire que c'est juste comme ça. Don't think that it's just like that. Par le hasard. Deux fois, on ne te connaît pas, mais tu as déjà été recommandé. Sometimes we don't know you, but you yes. have been recommended. Une voix a parlé pour toi. A yes. voice has spoken for you. Je vous ai dit comment la voix m'a appelé, non, le missionnaire yes, m'a appelé. Yes, yes. Il m'a appelé, Olivier, oui. Et tu ne me connais pas, je suis missionnaire chez Paul. On m'a parlé de toi. Yes. yes. I am missionary chez Paul. I have been spoken about you. Yeah. Bah, tu peux négliger quelqu'un là alors que c'est lui qui a la dernière signature. Vraiment. You can neglect someone but he has the last signature. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Faut pas négliger les gens. Don't neglect people. Faut pas mépriser les gens. Don't yes. despise people. Faut pas mépriser les gens. Don't despise people. Tu peux être académiquement plus intelligent que quelqu'un, mais c'est lui qui signe. Vraiment. You can be at school more intelligent than someone, but he's the one who has to sign. Un jour lors d'une grande réunion. One during a great meeting. Très grande réunion. Very great meeting. Il y a un jeune qui était chaud chaud. There was a young boy who was hot. C'était très très. Il y avait des milliers de gens. There were thousands of people. Moi, j'étais juste à la porte. I was just at the door. Puis il y avait un leader. There was a leader. Qui parlait, moi je ne comprends pas les vieux là. Who was saying, I don't understand the old people. Disorder ici. Too much disorder here. Et il parlait à haute voix. And he was speaking loudly. Puis il y a un papa, le secrétaire général de toute cette organisation. And there was the general secretary of all the organization. Et lui a dit, he told him, toi. You. Toi là. You. Je vais régler ton problème. I will solve your problem. Moi, j'étais juste à côté. J'ai juste à côté. I was just beside. Il dit, toi. He said, you. Je vais régler ton problème. I will solve your problem. Et l'organisation est finie. Le colloque, tout a été terminé. Maintenant, on devait affecter les gens. All the session was over. We were now affecting people. Et le secrétaire général a dit. And the general secretary said. Tel. This one. Il faut l'envoyer où il n'y a pas d'eau. Où il n'y a pas de courant. Oh! Where there's no water, no electricity. Ils l'ont envoyé loin, où même les animaux refusent d'aller vivre. They have sent him far, where even the animals refuse to send him. Oui? Yes. Yeah. Il a dit, toi là. He said, you. Je vais régler ton problème. I will just solve your problem.
What a shock. Quand il a dit à sa femme qu'on nous a affecté à tel endroit, when he said to his wife that I've been affected, the wife said, go alone. Go alone. Quelqu'un peut être petit là, simple, âgé là, même une femme, même une soeur courte, simple. Vraiment. Someone can be there simple, old, maybe a lady, she's short. Vous savez, quand on ne te recommande pas, you know, when you're not recommended, ou bien quand quelqu'un demande que tu ne sois pas recommandé, and someone asks that you should not be ça, recommended, ça je vous dis un secret, ça je le dis souvent au pasteur. Let me tell you this secret, I used to tell it to the pastors. Tu rates ce que tu ne sais pas que tu rates. You miss what you don't know that you miss. Yes. Yes. Tu peux être là assis comme ça. You can be there sitting like that. Sans t'en rendre compte. Without noticing. On a déjà posé la question. We have asked the question. Le jeune là au fond là-bas, yes, c'est qui? This Je young confirme. Boy there at the end. Yes. Et quelqu'un a dit. Someone said. Non, il n'est pas sérieux. Yes. Said, no, mais tu ne serious. Sauras jamais qu'on a déjà dit ça. But you will Vraiment. Never know that we have said that. Oui, il y a beaucoup de cas là, vous ne savez même pas. Yeah, there are so many cases, you don't even know. Yes. Yeah. Il est même déjà arrivé que je prie. Sometimes I even pray. Après je dis, toi. And I say, you. Viens ici. Come here. Toi, tu vas faire ça. You will do this. Et l'année prochaine, tu vas aux États-Unis. And next year you go to United States. Puis la séance termine. And the session is over. Quand il descend là, when he goes back, tout le monde le salue. Everyone salutes. Les gens l'embrassent. People kiss him. Après, le pasteur des jeunes vient seulement derrière. And the pastor of the youth comes behind. He says, lui là, il n'est pas sérieux. He says, this one is not serious. Direct. Direct. Je dis simplement, erreur d'onction. I said, this is mistake of the anointing. What a shock. Fini. It's over. Oh. Ah. Fini. It's over. Parce que l'onction de Dieu ne se trompe pas, mais l'onction humaine se trompe aussi.